Hello famille, c'est comment on dit quoi? C'est Irito, petite vidéo rapide aujourd'hui. J'ai envie de parler des Bordeaux Likoufa. Des Bordeaux Likoufa, tu es où? C'est la question qui me revient chaque jour en commentaire sous mes vidéos et en inbox. Des Bordeaux Likoufa, où tu es? Dans cette vidéo aussi, on va parler de deux grands prodiges de notre musique africaine. J'ai nommé Jojo le Barbu et Ténor du Cameroun. Franchement, ils ont lâché une bombe là. Dénommé Bisou. Franchement, le morceau, il est hardcore, il est vraiment très lourd. C'est là que tu vois que Côte d'Ivoire, Cameroun, ça crée toujours de l'étincelle, quoi. Sérieusement. L'histoire continue avec Wanakacha concernant la drill décalée, soi-disant inventée par notre Safara Lobiang. Le Saitama, le coup de poing de Jésus. On va parler de tout ça dans cette vidéo. On se prend juste après le générique. C'est zéro qui n'est pas bon, demande à Blaka. J'ai mes deux togos, moi j'emprunte mon baka. Au petit déjeuner, c'est galette et baka. Il se joue au tog, il est parti à la maca. Chers abonnés, bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous procurer les tisanes d'Artemisia. Je vous dis qu'elles guérissent. Le palu, elle ne soigne pas, elle guérisse totalement le palu. Faites-en votre tisane, s'il vous plaît. Voilà, prenez les plans d'Artemisia et faites-en votre tisane, s'il vous plaît. Contactez Kamabio urgemment. C'est 2500 seulement la boîte, s'il vous plaît. 2500 seulement la boîte. Voilà, vous payez les médicaments en pharmacie, c'est bien beau. Mais soignez-vous au bio, s'il vous plaît. Voilà. L'éveil spirituel à la lumière des cinq courants. Le livre se comporte bien. Ceux qui ont eu la chance de l'acheter peuvent en témoigner, c'est un recueil de ouf, il y a vraiment beaucoup de secrets dedans. C'est une interprétation plus approfondie de votre Coran, quoi. Voilà, s'il vous plaît, procurez-vous l'éveil spirituel à la lumière du Saint-Coran du maître Ahmed Balaki. Ok, bon retour chers abonnés, soignez-vous au bio et contactez Kamabio, s'il vous plaît. S'il vous plaît, voilà. C'est irritant votre M serviteur, on peut maintenant parler de Jojo le Barbu en featuring avec Ténor. Si le dernier son, bisous. Bon. Qu'est-ce que je vais dire sur ce son-là? Franchement, c'est deux talents de ouf qui se sont rencontrés et qui ont voulu nous donner du plaisir. Et franchement, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. D'un côté, de la rapidité, de la rapidité, mais franchement, on va dire bien cadencé. Et puis, d'un autre côté, avec Ténor, d'une speed, ouais, quoi. Voilà, en tout cas, c'est une rapidité qui ne dit pas son nom. Franchement, je ne sais pas qui a appuyé qui, mais franchement, ils se sont bien laissés sur le morceau et moi je ne peux que les féliciter. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté le morceau, vous pouvez taper dans votre barre de recherche YouTube. Le clip n'est pas encore sorti, c'est en exclusivité sur Trace Africa. Mais je vous invite à aller l'écouter sur la chaîne de Jojo. Jojo le Barbu, voilà. Jojo le Barbu, il faut aller écouter, il faut aller écouter. Le featuring est vraiment très lourd et franchement, Ténor et Jojo le Barbu nous ont respectés. Voilà. Un morceau très dansant, un morceau d'ambiance. Franchement, ce sont ces talents-là qu'il faut pousser. C'est vrai que Ténor s'est déjà fait un nom au Cameroun et même aussi en Côte d'Ivoire. Mais il faut encore plus pousser Jojo le Barbu parce que c'est un talent prometteur. Il est vraiment, vraiment très fort, très pétri de talents. Et moi, franchement, j'en suis fan. Voilà, c'est pourquoi je me permets de faire cette vidéo-là pour vous inviter à aller écouter leur dernier son en attendant qu'ils nous balancent le clip officiel sur YouTube. Parce que nous sommes les morts de YouTube. Voilà, c'est sur YouTube. On regarde les clips. Quand ils sont officiellement, on va dire, donner sur le web. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, on va parler maintenant de Wanakacha. Regardez d'abord cette vidéo-là et puis on revient. La chine. Béjouan. Voilà. Le vieux Safarel ou bien. Aussi assez, pardon, vieux père. Le père Safarel, aussi assez. Toi, tu connais un petit de 17 ans qui s'est débrouillé dans les Atalagou. Maintenant, maman, tu es un grand frère, tu peux m'aider à avancer. Mais je constate que tu veux prendre ma drill décalée d'une manière pour faire pour toi. Levez-vous, c'est assez. Hein? Moi, j'ai un petit, je ne suis pas venu dans le coupé décalé pour semer la division. Je suis venu pour semer la récoltation, qu'on appelle une récoltation pour faire danser. Donc, levez-vous, c'est assez. Tu es trop grand pour voler ce genre de flow. La drill décalée, on sait que ça existe, mais c'est ton petit Wanakacha qui a créé. Tu peux m'aider, tu peux me booster à avancer, mais il ne faut pas t'en venir mêler le travail. C'est pas bon. De nouveau à vous donner vraiment le petit extrêmement chant. De manière à jamais casser, il va vous parler que c'est Wanakacha. L'eau passe en avant, je vais vous maigrir, vous faire plaisir à tout le monde. Quand il voit les belles.
décalée. Voyez notre légende Arafat, vous savez qu'il est venu avec la trappe décalée. C'est lui qui a fait, même en bengue, il partait maïe, prendre là. C'est ça, dans vie, et puis, Somolina, yo, dévié, mon là. Vous-même, vous savez la Chine. Donc là, c'est son descendant qui est là. Nous, là, c'est qui est dans notre ventre, là, c'est ce qu'il nous a dit. Ouais, ouais, le champion, ouais, la Katia, le dieu de la renaissance, de la trappe décalée. À tous ceux qui me regardent, voilà. Et tous ceux qui sont de près ou de loin, qui sont dans les côtés, bengue ou ben Congo, même quoi. Partagez la vidéo et puis tous ceux qui vont prendre la peine aussi de regarder cette vidéo, que Dieu vous bénisse, qui vous donne tout ce que vos cœurs désirent. Voilà. Les fans Gigi, moi ici un peu en colère. Voilà. Ici un peu en colère. Paye a dit que le Wana Kachalo va son enfant, il fait beaucoup de cas, il met beaucoup de j'aime. Il met les ouais, sur Facebook. Mais c'est pas ça qu'il s'agit. Voilà. Le mieux, c'est de comment faire de prendre notre pouvoir qui a été perdu depuis longtemps, depuis maintenant 2 ans. Payez, constate que maintenant là. Vous avez écouté, le petit a parlé. Je crois bien c'est hier qu'il a fait cette vidéo-là. Pour interpeller son grand frère, Safara Lobian. Vous lui dit, mon vieil, je suis content que tu veuilles sortir un morceau sur la drill décalée. Mais il faut de reconnaître que le créateur de la drill décalée, c'est le Wana Kacha. Espérons que le Saitama, que je sais, très poli, très compréhensif, comprend le message du petit. Et science, comme on le dit dans notre jargon ivoirien. Voilà, parce que hier j'ai fait une vidéo pour dire clairement que Safara Lobian, je pensais tout de toi, mais sauf d'une certaine bassesse, d'une telle bassesse quoi. Voilà, ça m'étonne un peu. Mais espérons que tu te reprennes, espérons que tu comprennes que non, il faut venir faire une vidéo, faire un post pour faire comprendre aux gens que c'est vrai. Tu pensais que tu allais créer un nouveau style décalé, mais il existe déjà. Petite parenthèse, il y a des gens qui me disent que non, la drill décalée a été créée, on va dire, par... D'abord, on m'a dit Franck FP, et ensuite, on m'a parlé de Bolo 225. Il n'y a pas envie de frustrer ces deux jeunes artistes très prometteurs, très talentueux, mais ils ne font pas de la drill décalée. Parce que la drill, d'abord, c'est un style de rap anglais. Mettez ça dans votre tête. La drill, c'est un style de rap qui existe déjà. Maintenant, on vous parle de la drill décalée. Comme Didier Arafat l'avait dit dans son futur, quand il était dans son futur, qu'il allait venir avec la trappe décalée. Vous comprenez un peu, non? La trappe, elle existe, mais le décalé vient du coupé décalé. Donc, je pense pour ma part que ce que Bolo 225 dit qu'il considère comme la drill décalée, ce n'est pas de la drill décalée, non plus de Franky. FP, ils font juste du rap ivoire, honnêtement. Ils font du rap ivoire. Ça, c'est du déjà vu. Maintenant, voir un artiste rapper en atalakou. Si vous voulez chanter en atalakou, sur un beat rap, c'est l'affaire du petit Wana Kacha. Parce que pour ceux qui suivent le petit il y a longtemps que le petit parle de la drill décalée. Il parlait de la trappe décalée au début, après il a dit non. Lui va inventer un nouveau mouvement qui va s'appeler la drill décalée. Vous voyez un peu, non? Je crois qu'il y a 5-6 mois de cela. Il ne suffit pas de dire que je fais de la drill décalée, mais est-ce que ton genre musical c'est de la drill décalée? Voilà, la drill c'est un genre de rap qui existe déjà et le décalé vient du coupé décalé. Donc normal que Wana Kacha se présente comme créateur, voilà, authentique de ce style musical là. Donc ne faisons pas de débat. Je respecte le talent de ces deux artistes, Bolo 225 et Franky FP, mais il faut être de reconnaître que le travail, la création, l'invention du drill décalé, voilà, c'est-à-dire rapper, en atalakou, sur un beat rap là, c'est l'affaire du petit Wana Kacha. Et il faut soutenir ça. Vous avez écouté ce que le petit a dit, vous avez vu un peu un extrait de ce morceau. Voilà. Donc Safara Lobian, même avant toi, même à part Wana Kacha, il y a deux autres artistes qui ont déjà parlé de drill décalé. Mais malheureusement, je ne considère pas que le style musical à eux soit du drill décalé. C'est du rap ivoire en fait. Voilà. Ça, c'est du déjà vu. Mais le petit, à part être un bon atalakoutiste, un bon ambianceur, il a envoyé son style à lui. De vraiment, on va dire, fait de la talakou sur un beat rap. Et ça, c'est à saluer. Maintenant, Debordo Likoufa, tu es où? Bon, soyez sans crainte. Debordo Likoufa est toujours en France et il est en train de terminer son album. Vous savez, un album, ça prend du temps. Parce que tu peux avoir bouclé l'album, mais il y a des titres que tu sens pas ou bien que tu as envie d'ajouter à l'album. Sinon, l'album Apogée est déjà fini. Ouais, il est déjà cuit. Il n'y a rien à dire. Voilà. Il est prêt à être servi. Juste que vous savez que Debordo Likoufa, c'est un perfectionniste. Donc ne vous inquiétez pas. Ça dure, je suis impatient comme vous.
Mais je peux vous rassurer que cette longue attente-là ne sera pas regrettable. Vous voyez, c'était Bordeaux Likoufa. Sinon, Apogée est déjà bouclé. Il est juste en train d'ajouter quelques titres pour votre plaisir. Voilà, il est en train de peaufiner certaines choses, retirer les titres qu'il ne sent pas pour les remplacer par d'autres titres. Donc, quand c'est comme ça, là, la bombe peut retarder. Mais les gens n'ont qu'à parler, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Quand Debordeaux va arriver, là, ils vont savoir que Debordeaux est là. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ce sera un album de feu, un album légendaire, événementiel, un album événement. Donc, il ne faut pas jouer ça. Il faut faire un bon travail. Vous savez très bien que Debordeaux Likoufa travaille toujours sur la qualité et non sur la quantité. Donc, restez tranquille. Debordeaux Likoufa va très bien. Il passe toutes ses journées en studio pendant que les gens disent qu'il s'est un laveur d'assiette. Il passe toutes ses journées en studio. Et puis, ça va très bien. Soyons patients. Voilà, on a patienté 2 ans, on a patienté 1 an. On peut patienter encore parce qu'on n'est pas loin du but. Voilà. Sinon, Debordeaux Likoufa, il est là. Mais il est en train de travailler, il est en train de perfectionner son album pour qu'il soit irréprochable à sa sortie. Voilà. C'était Héritor. J'espère que je rassure, comme je peux, les fans de Debordeaux Likoufa, les légionnaires. Soyez patients. Laissez les gens parler. C'est tout ce que je peux vous dire. Soyez patients et laissez les gens parler. Vous ne serez pas dessus. Héritor, ciao, ciao.